coup de m'avoir fait l'honneur de participer à cet événement. Je suis vraiment contente et ravie de rencontrer tout le monde ici. Voilà. Donc, je vais vous présenter. Voilà, donc, معكم يمينة بوشيخ باحثة في المعهد الوطني للبحث الزراعي. التخصص تاعنا احنا في ليكيب تاعنا في معهد البحث هو التثمين المواد الطبيعية زعما النباتية والبكتيريا. دونك درت عندي ان انجينيور ان ايكولوجي فيجيتال في جامعة تاع سعيدة وين تخصصت على المناطق الجافة والشبه الجافة. ابخي درت ماجستير في جامعة السينيا في وهران وين تخصصت على توسكي التأقلم تاع النباتات الفلاحية للتربة المالحة والتربة والمياه المالحة ودرجات الحرارة المرتفعة. دونك سيتي سورتو فيزيولوجيا النبات. ابخي درت ان دكتوراه تاني على المناطق السهبية وين شوية كانت شوية مخلطة، يافي شوية ايكولوجيا شوية فيزيولوجيا وشوية ميكروبيولوجيا. اي دونك هادو اون فا بارلي ان تي بو دو سا ابخي لور دو لا بريزونطاسيون. Donc, avant de débuter, nous faisons la définition de la biodiversité. Qu'est-ce que c'est? Donc, la variabilité, c'est-à-dire le tanawwu' تاع كل الكائنات الحية اللي موجودة على وجه الأرض. Donc, c'est كاع الأنظمة الطبيعية, c'est-à-dire les écosystèmes, l'anthéma البيئية, الأرضية والمائية. Ainsi que, ça va être dur de. سمحولي, ça va être dur. Je vais essayer. غادي ندير المجهود تاعي باش نتكلم بالعربية. Et donc, ainsi que des complexes écologiques, c'est-à-dire العلاقة تاع كاع هاد الكائنات الحية مع المحيط تاعها. Et donc, la définition, on dirait, c'est fait 1992, lors du sommet de Rio. Et وين تحت في هذه السنه عاد تفهموا الدول سنيت 120 130 دوله على هاد لا كونفونسيون وين تفهموا. دونك ايماجيني حتى في 92 عاد الدول اعترفت بالاهميه تاع التنوع البيئي. دونك سي اسي ايرونيك. اي هنا تفهموا بلي لا كونسيرفاسيون تاع لا بيوديفيرسيتي حمايه التنوع البيئي مهم لاخاطش هو الاكل تاعنا هو الهواء هو الماء هو الاستقرار تاع الانسان. دونك التنوع البيئي التنوع باردون التنوع البيولوجي هو is divided into three different levels. So it's the ecosystem diversity and species diversity and genome diversity. So the ecosystems it's the diversity of ecosystems, the communities and even the cultures, human cultures, حتى الثقافة تاع البني آدم تاع الإنسان داخل في التنوع البيئي. S'il vous plaît, اسمحي لي يا مينا. On invite Madame Zahra. À désactiver votre micro, s'il vous plaît. Zahra. Merci. Merci Amira. التنوع الصنفي, c'est-à-dire species diversity, is divided into animals, c'est-à-dire les vertébrés, الفقاريات والغاليات, plants, النباتات, وحتى الكائنات الميكروسكوبية. And genes diversity, c'est-à-dire le تنوع الجيني. Par exemple, عندنا les êtres humains, we have different skin tones, we have different eye colors. For example, in tomato, عندكم vous trouvez la tomate cerise, la tomate pomme, les pommes par exemple, vous avez les pommes jaunes, les pommes vertes. Et هادو كاع ce تنوع تاع الجينات in the same species. Voilà. Et donc la biodiversité, le تنوع البيولوجي, حاجة كبيرة بزاف. Pourquoi? Parce que الباحثين استيم زعما يقولوا بلي كاين 15 مليون صنف في العالم وحنايا اون اديك انا نعرفوا غير 12% من هذا التنوع الطبيعي. دونك ايماجيني 12% من كاع هاد كيما نقولوا كاع ديس ريتشنس
that we see in our ecosystems, c'est seulement 12%. C'est 12%. Hadam kan men tout ce qui existe. Et il faut savoir que donc les animaux li na'rfouhom, les animaux, les plantes et les insectes li na'rfouhom hnaya, les chercheurs wasfou ghir 95%, c'est tout. Donc juste 95% nosfat. Par exemple, concernant les hacharats, wasfou 10%, c'est tout. Il y a eu que 10% qui ont été décrites. Donc it's a kind of biodiversity is the hidden, it's a big hidden part of an iceberg. Pourquoi? Parce que imaginez que c'est dur d'avoir accès à certains écosystèmes. L'être humain tient, mais elle m'a rage fait. Il y a des écosystèmes qui déroulent, par exemple, les savanes d'Afrique. Imaginez que les termites, ces hacharats rares, elles représentent 10 fois la masse de carbone sur les herbivores. C'est-à-dire les termites sont rares, mais elles ne sont pas les mêmes, parce que les gens sont rares. Mais pourtant, ils disent 10 fois la masse de carbone par rapport aux les herbivores. Par exemple, qui mettent le fiel, qui mettent les zèbres et tout, l'Afrique. Donc, ça laisse à réfléchir. Et donc, petit à petit, le chercheur découvre au fur et à mesure de nouvelles espèces. Par exemple, the Royal British Garden a nommé 150 plants and fungi cette année. Imaginez, on a découvert 150 plants and fungi fait des différents continents du Kenya et du monde. Un exemple, là, par exemple, c'est Moussa. لقاوها في الامازوني باسكو الامازوني شويه سي لا سيونس فيكسيون لقاو فيها واحد الصوالح هاد هاد النمو فيت ال الباراليز الباراليز لاغيني سيتير كيما نقولوا ديرها كوميون انستيزي باش تحط فيها البيضه تاعها او ميم طون اون فوا كو لاغيني تنوض تفطم من هذيك الاخر من هذيك الانستيزي elle commence à fabriquer un réseau sur le tsna hadik la chabaka taha bsa machi kima mwalf tsna ha de telle sorte que dik el bayda ki tkhrouj men dik el namousa tteish fiha. Voilà, donc imaginez, donc c'est l'araignée elle est porteuse ta el bayda et en même temps hypnotisée de telle sorte que tkhdem laha kima ngoulou el blasa li ghadi tkber fiha hadik la larve bach tweli tani hiya namousa men ba3d. Autre chose, il y a aussi head l'arbuste, shrub, who has been discovered in Namibia. And il faut dire que c'est pas n'importe quel arbuste parce que c'est it's a new gender and a new family in the taxonomy. So c'est pas juste mahajri espèce l'arbuste, c'est carrément aïla. Je dis là, t'as nabatiat. Je veux dire, la dernière fois qu'on a découvert aïla, c'était fin du 19e siècle, où, par exemple, les naturalistes allemands, quand ils rouhou l'Amérique latine, ils gardent pendant des années, qu'elle y met ou l'ishka. Donc imaginez, dans le cas, en 2020, on a découvert un arbuste, un nouveau genre et une nouvelle famille. Donc ça laisse réfléchir sur la biodiversité à quel point, même on a fait les hawaïlo. J'ai aussi mis l'araignée et le serpent for the fun fact parce que en fait l'araignée a été nommée Loridia phoenix et le serpent a été nommé Trimerillus Lazar. It's referred to characters, movie characters for Phoenix about the Joker movie and Salazar about the Harry Potter character. So just to see that researchers can be very weirdo sometimes. Donc voilà, donc je suis désolée parce que je suis en train de passer d'une langue à une autre. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Et donc, quel est l'intérêt de cette biodiversité, cette grande richesse qu'on a presque pas découvert complètement? Alors, elle est en fait, il y a une source à l'alimentation terna, elle est l'ecle terna, il y a l'ibest terna, il y a par exemple 15,000 molécules discovered. Used in medicine and cosmetics, c'est notre source d'énergie. Les écosystèmes, هذا التنوع الايكوسيستيمي اللي عندنا يعاوننا في تثبيت الكليما. ثاني la filtration تاع les eaux et la qualité de l'air, c'est aussi ثاني parmi les services écosystémiques de la biodiversité, c'est spirituality, mental health and physical health. C'est-à-dire عندها هذا الدور وين non seulement تشبعنا الشهوات تاعنا en tant qu'être humain, c'est-à-dire اكل وشرب ولباس, mais en même temps our spirituality, c'est-à-dire our even our minds.
are resourced with biodiversity. Et donc, il faut savoir aussi, Tiani, l'un des services que nous donne la biodiversité, c'est la pollinisation. تلقيح 75% من الخضر والفواكه اللي ناكلوهم ملقحة من عند حشرات ولا حيوانات. Donc, pour voir que la biodiversité, c'est sans la biodiversité, la biodiversité. Et en plus de tout ça, c'est que la biodiversité is free data. C'est de la data gratuite. C'est une technologie. It's a technology and a data that we can use for our own. Un exemple, par exemple, là, c'est le velcro. Le velcro, c'est avec le scratch qu'on trouve partout dans les sacs, dans les vêtements, avec le scratch. C'est un ragel qui a mal le chien. Il a trouvé des petits fruits sur les poils voilà, de son chien. Et donc les لخر قلعهم راح شافوا في الميكروسكوب هذوك لي بتي فرويرون وشاف ديك لا ستركتور تاع هذاك الخيط وداير في ليكستريميتي تاعه اي بلوتو الاستيك شادر راح صنع كيفاه اي لا كري لو فيلكرو يا سي ثاني كاينه ثاني واحد لي تابليت ثاني صنعوهم ايفيتو لو غوفلي C'est-à-dire, par exemple, le reflet bleu. Et, par exemple, le reflet de la chôme, il bêche les lunettes. Okay. Pourquoi? Parce que des papillons de nuit. Les papillons de nuit, ils ont la capacité, mais et donc, pour ne pas attirer les prédateurs. Et donc, ça aide. Et ils ont utilisé de la technologie. Donc, pour vous dire que la nature, c'est une source d'information très importante qui pourrait nous aider à développer des technologies. Il y a aussi d'autres exemples, par exemple, c'est une société allemande qui a développé des capteurs. Le principe de Ahmed, les dauphins, parce que les dauphins ont un moment de communication sous l'eau, et donc ils ont développé les appareils qui permettent de détecter les tsunamis. Voilà. Et une autre société qui s'appelle Sharklet, et comme vous l'avez deviné, Shark, c'est-à-dire ça vient du. Ils ont développé des films, ça n'a qui des films, ou les films, la texture de la peau qui la peau le requin. Parce que la peau le requin, les algues, elle est antifongique ou antibactérienne, c'est-à-dire mettre infectèche. Et ils ont. Imiter, c'est-à-dire n'importe quoi, la texture, ça dans des films, et la société marche super bien dernièrement parce que avec la pandémie, il y a des hôpitaux qui le rachètent avec le film Taham pour l'appliquer sur tout ce qui est portière, sur tout ce qui est ascenseur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un gros problème, la désinfection dans les espaces des hôpitaux bien avant la pandémie, parce que bon, je ne vais pas parler de ça, mais c'est vous pouvez faire des recherches sur ce qu'on appelle de l'eau, water memory, c'est-à-dire que le ma a la capacité, c'est que il a une mémoire, hajalit confirme même trop, il n'y est plus, il garde la mémoire en ça. Et la contamination les hôpitaux, elle est due à cause de ça, c'est-à-dire même tu désinfectes avec un liquide, avec le liquide qui reste sur la surface, il garde en mémoire, il contenait des bactéries. Et donc, il y a des infectés facilement. Et c'est pour ça que le film, il est très intéressant parce qu'il pourrait très bien remplacer tout ce qui est produit chimique, des infections. Il suffit juste de l'essuyer pour qu'il fasse son son brand a kind of swimsuits, aerodynamic swimsuits. Il y a des marques qui commencent vraiment à percer par rapport à ça. Et donc, on peut parler de l'importance de la biodiversité, de son poids, mais aussi dit qu'elle nous apportait beaucoup, même par rapport à l'inspiration qu'on pourrait avoir d'elle. Mais malheureusement, elle est menacée. Donc, parmi les 5 chiffres qu'on pourrait tirer de la COVID. Mzien Mriem, équipe OFA, s'il vous plaît de désactiver votre micro. Merci. Donc, merci Amina, parce que ça me déconcentrait. Et donc, je disais que la COP25, on a 5 chiffres.
5 chiffres importants, c'est que هذه les 415 ppm, c'est le poids par million de la molécule de carbone. C'est-à-dire, c'est une unité de mesure, وحدة قياس تاع الكربون في الهواء في الطبيعة. Et donc, on a 415. 415. Alors, 415 بزاف pour le premier facteur. L'autre, c'est que avant l'ère industrielle, on a 280. Donc, déjà, هذه الأولى. Et deuxièmement, il disons que les gouvernements ont un objectif, mais ils ont 450. Parce que quand ils ont 450, c'est très possible qu'ils ont, il va y avoir une hausse de 2 degrés de température. Et les 2 degrés, c'est rien du tout, 2 degrés, sur le terrain et sur les écosystèmes, c'est une grosse catastrophe. Ça sera une catastrophe naturelle, Zama, vraiment, on va vraiment, comment dire, elle va vraiment impacter et l'environnement et les sociétés. Pourquoi les sociétés? Parce que 70% de la population mondiale, la base de l'akla, de l'hiyata, de l'maïchta, c'est la biodiversité. Nous sommes tous dans des villes, nous sommes tous dans des villes hyper développées. Ils vont beaucoup souffrir voilà, à cause de ce changement climatique. Et donc, il y a aussi il y a eu une hausse de 84 cm. Ou une déforestation de 12 millions d'hectares. Fiha l'Amazonie, le poumon de la planète, et aussi tani, la forêt de Bornéo, qu'on considère tani, comme le troisième qui manque. Le coral ardéa. Manahadrosh, même parler des espèces, les ramphihals et inqirat, 1 million, et des températures enregistrées, à ma fterir, jamais ce jour des températures. Et. Donc maintenant, on va passer. Donc, quels sont les facteurs? Qu'est-ce qui provoque cette extinction? Qu'est-ce qui provoque cette menace et ce danger envers les espèces? Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de facteurs. J'ai essayé de mettre quelques-uns. Et voilà. Donc le premier, c'est l'introduction d'espèces invasives. Donc l'introduction d'espèces invasives, ça a été mon sujet de doctorat et le sujet me passionne énormément. Donc c'est quoi introduire? J'ai une plante invasive. J'ai dit une alien species, alien, ça m'a dit extraterrestre. C'est-à-dire j'ai kain nabta hachara hayawan tahta j'ai blad ou tahta شيء يدير دونك راه هاد الكائنات الحيه اللي موجوده تماك ماهاش موالفه تتعايش مع هذاك المكان ما على بالناش كيفاش فايافون كومبيتيسيون كي نقولوا غير عادله تبقى منافسه غير عادله سيتادير كو هذاك اللي تخلل في هاد الايكوسيستم عنده دي ميكانيزم المخلوقات اللي كاين تماك ما عندهاش ان اكزومبل باين باغ اكزومبل كريستوف كولون كريستوف كولون كي تخلل الامريكان هو كان عنده لي زارم كان عنده لا فورس كان عنده لي مويان كل شيء كان عنده ديزون كان هو لو بلو فور تخلى على دي تريبو دانديان اللي ما عندهمش لي زارم ما عندهمش لا فورس عندهم هما ما عندهمش لا تكنولوجي اللي كاينه عند كريستوف كولون ديزون كنقضوا عليهم دو فاسون ديريكت اي دو فاسون ديريكت اترافير لي مرض ولي مالادي اي دونك هنايا فوايي سي ايتاف سيل فو بلي فوتر ميكرو ايتاف ميرسي Merci Amir. En 2007, c'est une photo d'un parcours sous Hoop, la steppe de Saïda. Comme tu vois, il y a le shrub, l'arbuste, cette chougère qui est dans le parcours. On appelle ça les atriplex. Les atriplex sont les ktaf, les gottfar, les matoubihom. Et c'est les atriplex numulaires. J'ai une d'Australie. J'ai une photo de Jazeera. They have been introduced for decades in our rangelands. Pourquoi? Parce qu'ils ont un meilleur rendement. Pour les animaux, c'est surtout pour nourrir les animaux comme fourrage, parce que عندهم مردودية مليحة et parce que تنتشر في السير voilà عندها واحد القوة تاع الانتشار اي راكم تشوفوا la photo 2007 et 2011 regardez انتشرت au point اللي طلعت فوق لي دون فوق الرملة d'un point de vue désertification مليحة c'est une très bonne chose elle a fixé كيما نقولوا fixed les dunes et donc ça permet de lutter contre la désertification le deuxième problème c'est شهوة l'impact réel شهوة الأثر الحقيقي c'est que كي غرسوا هاد الشجرة ما نادت حداها aucune plante تاعنا تاع بلادنا كيما الحلفة كيما الصبغت كيما الشيح علاش pourquoi il y avait rien ça veut dire que هادي جات comment dire جات تنافس les plantes locales تاعنا donc d'un point de vue désertification مليحة mais d'un point de vue تنوع بيئي
diversité écologique, non. قضات على كاع لي بلونت تاعنا حنايا لي ال سون انديميك زعما كما نقولوا بنات البلاد فوالا دونك انديميك اي دونك فوالا سا ايتي مون سوجي دو ريشيرش وين قعدنا نحوسوا علاش علاش وحدين يقول لك نو سي باسكو الورد الورق تاعها فيه الملح هي كي يطيح ديك الورقه في التراب تملح التراب وحدين يقول لك نو الا ابسوربي الماء من تحت التراب وحدين كل واحد واش يقول مي اون فيت سيتي تري سامبل سيتي ليميت ايفيدون سي كو هاد لا بلونت جات جو كوم ان كوبوي تطلق دي سينيو في التراب وتقول لهم ما كاش لي نوض حدايا دي سينيو شيميك كاريمون يا غيان نوثينغ هاز تو جرو بيسايد مي غيان غيان نو دوا كخواتر اكوتي دو مو سي تو سي سامبل كو سا سي دي سينيو شيميك رسلتهم بور انيبي بور اتاكي لي زوتر بلونت ما كاش لي نوض دونك فوالا دونك هادي سي لون دي كاركتيريستيك اوف plant invasiveness et vous trouverez des tas et des tas d'exemples beaucoup plus passionnants si vous cherchez par exemple quand tu as l'Australie a eu beaucoup d'espèces dans l'Australie enfin ils ont menacé les espèces locales qui m'a le chat le lapin le chameau donc si vous voulez enfin si vous voulez chercher des trucs par rapport à ce sujet là vous radiez des exemples sur le continent australien. Le deuxième facteur qui menace la biodiversité, c'est le changement climatique. Donc, les chercheurs estiment que 1 degré, les hadernaliagbila, donc 1 degré de plus, c'est des animaux qui vont se déplacer 125 km et 150 km en montagne. Ça veut dire que les températures qui zidou, elles vont bousculer et bouleverser l'écosystème, telles les créatures, les canines, fidouk les endroits. Donc, ça va créer une perturbation écologique. Le troisième facteur, c'est la destruction de l'habitat. La destruction de l'habitat, par exemple, il y a la déforestation, c'est-à-dire qatal ajjar, l'agriculture intensive, c'est-à-dire nistamlou mawad kimyaiya fil filaha, et en même temps, c'est-à-dire qatal ajjar lil filaha. باش نقومو بالفلاحه ليلفاج اكستنسيف تربيه الحيوانات قطع الاشجار لتربيه الحيوانات لا فاشن لا مود تاثر مؤثره بزاف سور لا ديفورستاسيون اي دونك سور لا ديستريكسيون تاع لي زابيتا لوغينغ سي ديفورستاسيون ان انغلي لا بيش لوربانيزاسيون سي دير نبنوا لي فيل تاعنا نبنوا المدن تاعنا اون ديبي دو سيز ايكوسيستيم ناتورال اي لي زاميناجمون توريستيك. La pollution aussi, la pollution, en l'achat, c'est Tellowood, donc la pollution par les pesticides, c'est-à-dire le gaz, le mawad, le kimiaïa, les hottoha fil filaha, hadi gat atar, elle chède dire Tellowood à turba, la stérilisation ta trab, et aussi la pollution ta alma. Et donc, c'est des facteurs qui contribuent à la perte de la biodiversité. Parce que l'érosion de la trappe, ou la trappe déchale la biodiversité. Parce que la trappe, c'est l'habitat de la bactérie ou de la fatrie que nous ne voyons pas. Donc, la trappe est vivante. La trappe, ce n'est pas une chose vivante. La trappe est vivante. Vous pouvez vous dire que la trappe est vivante. On n'a pas le droit de dire que la trappe est vivante, un truc figé. Non. Et le dernier facteur, c'est la surexploitation. Donc, que ce soit pour la pêche, ou la, que ce soit pour le side, ou la fishery, ou la... On consomme, nous, sans réaliser à quel point on surexploite les ressources terrestres. Par exemple, vous avez quelques chiffres, pardon, vous avez quelques chiffres de biodiversité qui est en danger. Par exemple, الزواحف 30% من الزواحف راهم en voie d'extinction, راهم في حالة انقراض. 25% من les récifs coralliens, 21% من les mammifères, الثدييات, et 12% من الطيور. هادو كاع كي نقولوا راهم في حالة انقراض. Voilà, ils sont menacés par l'extinction. Et pourtant, donc هضرنا على le problème تاع Et comme quoi l'être humain impacte négativement, d'ailleurs, la sixième extinction de masse, c'est-à-dire la sixième extinction de masse. Mais le plus ironique, c'est que le بنادم malgré quel attrait de l'environnement,
يمثل 0.01% دو لا بيوماس ان كربون. مانيش نقول ليميسيون دو كربون، ماشي نقول انتاج الكربون، نو هو بروحه سي دو كربون. احنا لا ماس تاعنا الكتله تاعنا سي 0.01%. ميم البكتيريا كثر منا 14.12، لي فيروس كثر منا سي 0.04. دونك ايماجيني كون كرياتور انسينيفيونت اون ماس دو كربون انسينيفيونت عندها ليفي لو بلو نوسيف سور سون انفيرونمون. هذه حاجه شغل سي اسي ايرونيك دو لو رياليزي. دونك ثاني سي اون فاز ايتون. دونك هنا الواحد يتكاكا يقول فريمون كومون اون بو اتر اوسي انسينيفيون بارابور ا نوتر بريزونس سور تير ويكون عندنا ان امباكت اوسي نيجاتيف. Donc, à notre niveau, dans nos villes, il y a une biodiversité urbaine. Il existe une biodiversité urbaine. Et en même temps, les parce qu'il faut savoir que le modon, il provoque ce qu'on appelle la fragmentation de l'habitat. C'est-à-dire que la route, elle a fragmenté le et donc d'ailleurs on estime que من 2030 60% من الاراضي غادي تكون مبنيه. دونك ايماجيني 60%. دونك à partir du moment où 60% des terres vont être habitées, au moins j'ai pour la biodiversité عندنا نجيبوها à travers par exemple des grands jardins. Quand je dis des jardins, ماشي des jardins تاع rond-point ou les jardins qui mènent chez c'est des jardins, c'est des espaces sauvages. Par exemple, en Allemagne, il y a des espaces sauvages. Même pas, il n'y a pas de gazon, c'est des naturels. Et même, il me cache l'entretien. Côté argent, ils ne dépensent pas d'argent. Et donc, c'est des espaces verts, sauvages. Il y a aussi introduire l'agriculture. Donc, nous avons une start-up, c'est Agricool, qui développe l'agriculture dans la ville. Introduire l'agriculture dans les villes. On a beaucoup d'effets positifs, que ce soit sur le climat, à la tabia, par rapport à la pluviométrie, la qualité de l'air. D'ailleurs, donc, vous entendez parler de Mexico et la Chine, la pollution de l'air. Donc, introduire la biodiversité à les villes, عندها أثر إيجابي على صحتنا physique et mentale et psychologique. علاش? Parce que créer des jardins, c'est les villes, c'est aussi resserrer les communautés, créer des liens, et c'est aussi très important pour les enfants. Essayer, كيما نقولوا باش الاطفال يكبروا على مبدا انه الطبيعه جزء لا كيما نقولوا لا يخلع من حياتهم من leur existence. Et donc voilà, je vais pas trop parler. L'éthique environnementale, donc هنا سي ان سوجي يعجب لي بزاف, l'éthique ou la justice environnementale. Donc quand on ferme le lien تاع البنادم مع الطبيعه, il y a deux, كيما نقولوا كاين زوج مذهب تاع l'anthropocentrisme. Anthropo جاي من الانسان, centrisme c'est centré على الانسان, où l'insan هو الكل في الكل, هو c'est la biodiversité مديوره ليه هو, à son service pour lui. Et هنايا ça veut dire qu'il y a le danger تاع exploiter, يستعمل هذه la biodiversité بلا ما يخمم les conséquences, بلا ما يقول bon انا j'utilise, je m'en fous, tout est pour moi. Et هنا كاين le danger تاع une dérive par rapport à هذا المذهب. Donc c'est plus ou moins un extrême. J'atteignis le biocentrisme. Il a été créé par Aldo Leopold. C'est un forestier américain. Et il a été créé la nature et tout. Avec son chien et tout. Et à un certain moment, il considérait que les loups, c'est-à-dire Diouba, sont chimères pour son gibier et pour sa chasse. Voilà. Donc il considérait que c'était une scène extrême. Et j'ai un certain moment où on sera là un événement marquant في حياته, où il a décidé, il s'est dit que là, que finalement بنادم non, ماشي هو le centre de l'univers, que هو juste là يتجزأ juste من هذا التنوع البيئي. Et donc عنده un devoir, عنده واجب moral, عنده un devoir moral, اخلاقي, انساني, وثاني فكري, parce que l'insan il est supérieur intellectuellement parlant, هو plus intelligent اتكى من هذا الحيوانات. Enfin, on dit, on dit. Et donc normalement, il a un devoir, un devoir, parce que ouais, il est plus intelligent, parce que l'humanité terre et parce que le devoir, la morale terre, mais c'est pas donc l'aisme, il travaille avec la tabia, il travaille avec le tanawul bi'i, bi'htiram. Voilà. Et fil had les deux, la khourma dahib, les deux sont des extrêmes. Had les dernières années,
بداو في لي زاني 70 صباح بداو واحد المذهب يدو شويه من البيوسنتريزم ويدو شويه من الانثروبوسنتريزم. كيما رانا نقولوا حنا سيستينابيليتي اون اكسبلوات نكسبلواتو نستعملوا هذا التنوع البيئي بصح افيك موديراسيون باش كي نقول لك نحتفظوا عليه بور نو اي بور لي جينيراسيون لي جايين. دونك هذه هي سي ان جوست ميليو انت الانثروبوسنتريزم اي لو بيوسنتريزم. Donc, après tout ça, après la petite introduction sur la biodiversité, donc quand il l'entrepreneur fait cette chose, ça va d'abord terre. Et justement, Belak, et si on, enfin, alors je me dis que Belak, l'entrepreneuriat, il n'est jamais simple, parce que l'entrepreneuriat, c'est de l'économie. L'entrepreneuriat, c'est chercher le bête. L'entrepreneuriat, c'est bête. Alors pour moi, c'est le bête. Au tennis, c'est l'économie. Et c'est le point fort terre. Et si l'entrepreneuriat, tout le monde, en tant que jeune entrepreneur. نجمو تبدلو العقلية كما نقولو اي كاين بوكو ديكزامبل نعطيهم لكم دركا باغ اكزامبل هاد لي زونتربريز يستعملوا لا بيوديفيرسيتي بصح بور كونسيرفي لا بيوديفيرسيتي سيتير يستغلوا لا بيوديفيرسيتي وفي نفس الوقت للاحتفاظ على هاد لا بيوديفيرسيتي اي هادي هي لا بوتي تاع هاد لي ستارت اب باغ اكزامبل عندكم نيكوتيك هادي سي اون ستارت اب اندونيزيان داروها دي جون ستوديون وين يستعملوا فانجاي مايسيليوم فانجاي مايسيليوم تو ميك ا كايند اوف ليذر يصنعوا جلد بهذا المايسيليوم اي انكور اون فوا سي فو نافي با كومبري نيزيتي با دو تو ان بوزي دي كيسيون اي ميم ا ميكريف في الواتساب Pas de soucis, nous sommes comme des vidéos pour expliquer les process de la start-up. Et donc, voilà, il y a des collaborations avec des designers, Rami Biou, les Besbihom, Mahassam Walou, il y a même un aspect socio-économique où il y a des femmes agricultrices comme des coopératives dans la start-up. Il y a aussi une autre start-up, Pili, c'est une start-up. Il y a toujours des pigments à l'ouen, le libès ou même de l'acne, une bactérie. Et tout le monde sait que, par exemple, les telouines, tel albisaoula, moulawit, jidda, tabia, c'est kerita kbira. Et donc, au machadero, j'ai des pigments, mais les bactéries tabia, adi, maddur, mawalo, et hadouk les pigments, tani, pas de souci. Ils sont, they are toxic free. Et notre start-up, Pat, hadi tani, hadi créé des chercheurs, kharjoum le. Les instituts de recherche seront créés au head de la start-up. En fait, ils créent des molécules et ils créent la pharmacie, enfin, pardon, la pharmacopée pour la médecine. Et la cosmétique, c'est qu'ils douchent les plantes de la nature, ils exposent. Non, ils les cultivent en hydroponie, c'est-à-dire l'hydroponie. Et ils développent un mécanisme qui stresse les plantes, sur le dès que la plante se détruit, tu les molécules. Ils détruisent les molécules et ils L'avantage, c'est que les plantes ne coûtent pas, elles ne sont pas chauffées. Parce que si tu veux exploiter la nature, tu ne chauffes pas, etc. Non, elles sont cultivées en laboratoire. Et d'ailleurs, ils ont milking. Le concept s'appelle root milking, qui est une vache. Donc voilà, c'est ça. C'est root milking. They are milking plants. C'est très original comme concept. Une autre start-up, c'est Agricool. Et Agricool, c'est deux fils d'agriculteurs. Weldihom, c'est des agriculteurs, mais ils vendent des médicaments, je crois qu'ils vendaient des médicaments. Et ils ont eu l'idée, c'est l'hydroponie, mais ils ont eu l'intelligence, c'est que gardent des containers et reçoivent des cerises, pardon, des fraises. Ils se sont lancés les concombres et les salades, ou reçoivent les fraises, ils ont les containers. Et donc, les conteneurs, j'ai en plein milieu de Paris. C'est Paris, normal. Il paraît que Flani, il peut faire 10 tonnes de le conteneur, c'est 10 tonnes de fraises. Et les fraises, mais qu'il n'y a aucun amendement chimique, mais qu'il n'y a pas de pesticides, mais qu'il n'y a pas d'herbicides. Donc, on va dire que c'est des fraises bio. Et voilà. Et donc, Et pardon, il y avait un aspect, mais je vais comme chérie, c'est l'agriculture en ville. L'agriculture en ville, c'est très intéressant parce que l'âge. Comment dire, cultiver par exemple, cultiver khodar ou fawakef, les bâtiments et tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de villes qui le font, par exemple au Canada et même quelques villes européennes. Ça a l'avantage de l'atar le bi iqlil parce que quand je transporte et donc émissions de gaz à effet de serre et CO2. Et en même temps, c'est local, c'est du local. Pardon, je ne sais plus. Bon, et donc, voilà, je me mets les pinceaux. Quelques ressources
Je vous ai mis quelques ressources intéressantes parce que voilà, on peut très bien apprendre en s'amusant, qui m'égolo. Donc, j'ai mis quelques documentaires. La plupart d'entre eux sont primés, fait des festivals. Donc, c'est intéressant pour vous, qui voulez pour vous imprégner par rapport à la problématique de l'environnement et tout, pour vous donner aussi des idées, comment dire, des idées dans vos objectifs et dans votre problématique par rapport à votre start-up. Et aussi quelques films en rapport avec la nature et l'environnement. Et merci pour votre attention de la part de moi et de ma gazelle, Ghazal Mohammada. Voilà, le Kent. Voilà. Merci. Oui. Amira, tu pourrais me confirmer? Tu m'entends? Oui, Anisma Kiamina, merci beaucoup pour la présentation. Pas de souci. Avec ça, c'est vraiment un plaisir. Merci. Je vous parle que les participants, est-ce qu'ils ont des questions? Est-ce que Oui. vous avez des questions? Allez-y. Attends, on va à la côte, le côté. Le chat ou là, vous activez vos micros? Donc, Maana, attends, Tu pourrais les Maana, lire, Gustave. Amira, tu pourrais lire les questions, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Kane Très bien, Gtaf, merci. il y a une Oui. question. Tkhtbha ou là, activez vos micros. Tkhtar, qui m'a tapé. Oui, active ton micro, Gtaf, active ton micro, il n'y a pas de souci. Salam Alaykoum alaikum salam. salam, tfaddal. Merci pour a wonderful presentation. Merci. كيفاش المشكلة هذه كما نقول احنا تعجر في الإنسان، الفكرة بلي الإنسان هو كل شيء موجود لأجله، وهذه الفكرة اللي خلاتها يخرب، كيفاش نحو هذه الفكرة من الإنسان، كيفاش نبدلوا الرأي تاعه؟ كيفاش بدل الرأي تاع الانسان راه يشوف الشونجمون كليماتيك ديجا الكوارث الطبيعيه اي تو تبان لي بنادم راه فايق راه يفيق راه يشوف راه يشوف شنو راه صاري الامراض نقول لك راهم لي كونسيغ بزاف لا سوسيتي نقول لك راه المرض بزاف بايزوم نقول لك هذا العام ما صبتش شنو هذا العام الحمان هادو كاع شو راه راحت لا ناتشر تبالي الناس راهم دو بلوس اون بلوس واعيين شو هو لو بروبليم ماشي الوعي تبالي لو بروبليم سي كومون كيفاش كي نديرو نعيشو دو تال سورت كون نحتافظو على التنوع البيئي كي نديرو نعيشو دو تال سورت كون نقصو من الاثر تاعنا هذه هي سي سا لا بصح سي بور سا كو كاين اللي ما اسمحي لي وي كاين تفضل اللي الفكره نتاع هذه الفكره تاع يهتم بالبيئه ويعتبر نفسه جزء منها ماشي البيئه موجوده لاجله كاين بزاف مش نعمم بصح كاين بزاف ناس عندهم هذه الفكره هذه وما زعما كيفاش نقدروا نبدلوها هذه هي اللي راك على المبدأ الزاوج باردون راك على الزاوج على هو تعلم كيفاش بلوتو نشر المبدأ الثاني نتاع كي الاخر دير تنشر كي دير تنشر فوالا فوالا ان طونك سيتوان ولا انتربرونور على اساس مقاول ولا مواطن على أساس مواطن على اساس مواطن مش عارف ان الجمعيات كاينه مش عارف بارابور الجمعيات بارابور لي ريزو سوسيو حتى حياه ما تمنعك باش دير باج فيسبوك وين تحسس بها كيما هذاك لو غارسون تاع التراشتاغ هذاك الالجيريان درت تصويره افون وابخي نقا جهه دار افون ابخي السيد الناس قاعد تبعت لو تروك تاع لو تشالنج تاعه راح هدر شكون في كوميسيون اوروبيان تبان لي سي تري بوسيبل سي بوسيبل جمعيه ريزو سوسيو مش عارف انا سي فاسيل درك اوجوردي سي فاسيل بارابور بكري مي ماتنو سي فاسيل تنجم يكون عندك ان امباكت على تبدا بالحي تاعك تبدا مش عارف كيما نقولوا سوسيتي سيفيل تبدا دونك سي بوسيبل شو هو يفو شو هو يفو با جوست بارلي لك واحد يدير فو كيما قال لك جاست دو ات يو هاف تو دو ات نوت جاست تالك اباوت ات لا كونيكسيون قبل كان كاين اوكي ميرسي دو ريان بون Gustave, pour votre question, Anna moi-même j'ai une question Lik Yamina. Qui est-ce qui la biodiversité? Qui est le sujet est très très intéressant. Mais je t'attends un exemple. Ce matin, tu as parlé la start-up Agricool. Donc, احكيلهم شويه على لا ستارت اب وكيفاش باغ اكزومبل قدروا يخدموا في لي كونتينر يخدموا ليدي تاع لا فابريكاسيون دي فريز. دونك سي
كومون ايزون في هي اللي داروه ماشي حاجه يفو سافوار كو تاني ستارت اب ما معناهاش فورسيمون انوفيشن لينوفاسيون سي با لا ستارت اب كيما كوم لو دي نوتر اكسبير مسيو كريم بروري لينوفاسيون ايل بو اتر اوسي في البيزنس بلان Et donc voilà, ils ont eu l'idée intelligente d'utiliser ce terme de tariqa, c'est-à-dire tarse nabatat en hydroponie, dans l'hydroponie. Mais l'innovation, c'est le fait de faire dans des containers dans la ville, en pleine ville. En plus, ils ont beaucoup de points positifs, c'est-à-dire parce que en général, les يجوت على ليكسبور تاع لامبورطاسيون يجيبوهم من لي فيرم اي سون تري لوان اي دونك فوالا كوا شغل لا فريز تروح ا كوتي تخرج من حومتك تشريها من الحانوت برودويزيا ا كلك الا ايتي برودوي الا ايتي كولتيفي ا كلك متر دو لا اي دونك فوالا سي سا اي قلتي لي حاجه ان فات ايه كيس كيزون في ان فات هادو زوج اي مزيان جبتي لي اميره جيسبر نضن باقي لنا 4 مينوت دونك ايزون في كوا هما ما يعرفوا والو لي دروبوني ما يفهموا والو خاطيهم لاغرونومي خاطيهم ايزون جوست لو دي ارتيكل اي هنايا وهذه نقطه لي تري امبورطون بوركو علاش لو لا فوز لي تروفي بوكو 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 دي دي بروتوكول اي بوكو دو تكنيك et beaucoup de méthodes de travail fait les articles, les publications. Le chercheur meskin, il fait de la recherche, l'objectif تاعها c'est publier des articles. Nous on a tous les articles par exemple انا اللي نخدم كيما جماعه البيوغاز طلعوا des articles de recherche. Faites des recherches, غادي تلقوا les techniques, les méthodes, كاع العمل, كاع طريقه العمل. Et c'est ce qu'ils ont fait هما. Ils ont pris des articles, داروا الطريقه كي يديروا يطلعوا par exemple كي يديروا يزيدوا في المنتوجيه à travers des lumières, des lampes spéciales, des lampes avec des kingolo des ondes précises. Et ce qui fait qu'ils ont amélioré le rendement تاعهم. Ils ont pris juste des articles ou داروهم. Ils ont aucune technique, aucun ma ils sont pas experts du domaine et donc hadi tani ngoulha lkom ay wahed fikom anda un projet de start-up yelqa beaucoup de données beaucoup de data gratuite et sur la méthodologie la méthode comment faire avec le produit ta à travers les articles scientifiques c'est très simple il suffit juste de faire des recherches de lire beaucoup pour améliorer par exemple votre produit ou votre prototypage et voilà donc par exemple انا تبالي واحد هكاك ما عندهاش بروجي ما عندهاش لي ستارت اب ينجم يشوف شرا في خاطره يخدم يطلع دي زارتيكل اي امبريمي ان ارتيكل يخدم به عام من بعد يبدا ديفلوبي ان برودوي فوالا عام من بعد اي بوغي ديفلوبي ان برودوي ان ارتيكل اي دونك فوالا هادي هي ميرسي كيزون في منا ميرسي بوكو اون فيريفي عندنا في ليكيب كش واحد عنده دوتر كيسيون مازال عندنا شويه وقت مازال عندنا 2 مينوت افون دو كلوتوري Sinon, c'est ma dernière question, Yamina. Oui. Par rapport à l'environnement, où serait par exemple, les projets Alèche, tu fais que c'est important de se focaliser par rapport à l'environnement. Alèche, tu as besoin de l'environnement. Par rapport à toi, Yamina, c'est quoi la mission Et dernier conseil pour les porteurs de projets, là-bas. Alors c'est important parce que il y a 20 ans la réussite d'une entreprise business une entreprise déjà qu'elle Hayem Sofiane qu'elle c'est la durabilité la scalabilité la had les trois toujours en rapport avec l'argent Anna tbelli دركا vu les enjeux vu الحاله اللي رانا فيها الحاله المزريه اللي رانا فيها وما نشعبين انا pour moi un business réussi c'est un business qui دخل الدراهم mais en même temps durable. Voilà. Et tu vas dire que c'est la tendance. La tendance est que c'est la tendance. Il y a des startups de ouf. Mais les produits ne sont pas encore commercialisés. Ce sera dans 10 ans, ce sera dans 15 ans. Et donc, c'est ça. Pour moi, une startup réussie, c'est une startup mais durable. Il y a une certaine éthique, une certaine morale par rapport à l'environnement. Et d'ailleurs, les startups de Rouha, ils ont usé d'une problématique, mouchkila, dans l'environnement, ou ça n'a pas un business. Voilà. C'est des business innovants.
Il y a un dernier conseil pour les candidats tawana, comme à la balek, les candidats tawana, c'est entre 16 ans et 26 ans. Donc, on a des étudiants, les ont vraiment du courage et aussi de créativité, les ramana. Je vais vous donner comme conseil parce que le challenge, le but de l'aide, c'est de l'aide de l'environ le monarque. Donc, je trouve l'homme comme un dernier mot. انا je suis très contente et فرحانه بهم vraiment vous êtes jeunes راه عندكم واحد الفرصه كبيره حنا بعدا ما انا بعدا ما جينيراسيون ما كانش عندي هذه الفرصه اللي عندكم دركا صغار راكم في ديالكم واحد في داره و الى فورمي بار دي زيكسبير يعلموه كيدير يخدم بيزنس بلان كيدير بيتشي كيدير يعطيك كاع لي كلي كاع المفاتيح باش تكري البيزنس تاعك هذه حاجه لا ثمن لا قيمه زعما ما عندهاش سان با بري. Et donc, profitez, t'allemouk. L'objectif, ce n'est pas de gagner, même si gagner, c'est bien, mais l'objectif, c'est d'apprendre. D'accord? Pour les plus jeunes filles, comme imaginez la Hiberk, la dernière fois, Yassine, tu m'as dit, oui, je n'ai que 16 ans. Ne le dis pas comme un point faible. Tu as 16 ans, c'est ton point fort. J'ai 16 ans. La prochaine fois qu'il te pitche, quitte Bdagoul, voilà, bonjour, je m'appelle et j'ai 16 ans. Et sois fier de ça. Tu as 16 ans et tu es en train d'apprendre le pitch, tu as fait le business plan. Sois fier de ça. Et voilà, avoir 16 ans, pour moi, c'est juste une force. Donc, je t'imagine, Inch'Allah Yarbi, dans 20 ans, enfin, à 20 ans, j'imagine le monstre que tu seras, Inch'Allah Yarbi. Enfin, le monstre entrepreneurial, enfin, autre chose. Voilà, Hadihia. Merci beaucoup Yamina et à tous les participants là maana. Je ne sais pas, est-ce que l'équipe Brinko là maana pour faire la clôture? Sofiane? Salam alaikum, Amira, merci Amira, merci Yamina. Alors juste, je précise, moi je rajouterai juste une dernière chose. Balak ma'al takom chez Yamina.